Salut tout le monde, c'est Charlotte, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 9e vidéo du défi. Et ouais, déjà 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une question de Dorian qui me demande « Voilà, j'ai un chien, je voudrais savoir s'il faut que je le lave. » En fait, Dorian, je vais vous répondre, c'est un petit peu à vous de voir. Donc, quelles sont les raisons qui font qu'on doit laver son chien? Donc, tout d'abord, s'il a le pelage sale, s'il est sali par de la poussière, de la gadoue, des débris végétaux, etc. Si vous voyez qu'il est sale, eh ben, il faut le laver parce que ça va améliorer en fait l'état de son pelage et ça va éviter qu'il soit agressé. Après, deuxième bonne raison de laver son chien, c'est s'il sent mauvais. Si vous trouvez qu'il pue et que du coup, vous ne voulez pas l'approcher, pas le caresser, lavez-le. Troisième bonne raison, c'est si jamais il doit subir un traitement dermatologique, si jamais il a un problème au niveau de la peau et que votre vétérinaire vous a prescrit un traitement, il faut le laver avec le shampoing. Voilà. Après, si jamais votre chien n'a pas, ne pue pas, n'est pas sale et n'a pas de problème dermatologique, vous n'êtes pas obligé de le laver. Vous pouvez le laver quand même une fois par mois en entretien, une fois tous les deux mois, à vous de voir, mais c'est pas obligé. Après, avoir un chien qui est propre et qui sent bon, c'est quand même plus agréable. Et puis, à chaque fois que vous lavez votre chien, vous améliorez la relation entre lui et vous, parce que c'est aussi un petit peu du jeu si ça se passe bien. Donc, pour ça, habituez-le très tôt dans sa vie, comme ça, ce sera toujours plus facile pour vous. Donc voilà, Dorian, merci pour cette question. D'ailleurs, à tous les autres internautes qui nous écoutent, vous pouvez poser aussi vos questions dans les commentaires. Je ferai une petite sélection et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, à demain. Et en attendant, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao !